Bienvenue au lancement de motoneige Yamaha 2021. Il y a beaucoup à dire, alors commençons. Vous l'avez demandé, et la voici. En 2021, nous passons à la gamme supérieure avec la motoneige abordable à deux temps de 400 cm3. Nous sommes fiers de la nouvelle série des 400. Oui, vous avez bien entendu, série. Non seulement nous lancerons la Venom sportive adaptée aux sentiers équipée d'une chenille de 121 pouces à l'écran, mais aussi la version montagne, munie, elle, d'une chenille de 146 pouces. Et ce n'est pas tout. Pour une utilisation utilitaire, la Transporter Lite, avec son porte-bagages arrière, viendra vous servir. Ces motoneiges sont compactes, légères et faciles à conduire. Leur juste prix attirera de nouveaux clients ainsi que les récurrents et les pilotes désirant monter en puissance. Nous avons été témoins de l'engouement qu'ont suscité les classiques Yamaha, tels que la Enticer et la Phaser, grâce à leur fiabilité et à leur style élémentaire. Vous pourriez penser que le moteur à deux temps de 400 cm3 et les dimensions légèrement réduites de la Venom et de la Transporter Lite constituent un retour en arrière. Mais nous sommes convaincus qu'ils sont aussi une belle promesse d'avenir. En parallèle avec tout ça, la série de 400 est tout simplement une vraie source d'amusement. Et ça, c'est notre but suprême. La série des 400 ne sera pas la seule nouveauté en 2021. Yamaha retourne affronter les montagnes avec sa nouvelle Mountain Max 800. Ces montures ne seront offertes que pendant la vente printemps survolté. Elle sera équipée d'un moteur à deux temps de 794 cm3 alimenté par injection d'une suspension améliorée à longeron unique et d'amortisseur QS3 de Fox. La chenille de 154 pouces est dotée de barrettes de 2,6 pouces et celle de 165 pouces de barrettes de 3 pouces. C'est un plaisir de vous présenter ces motoneiges légères de 165 HP. Parfaite pour la neige profonde et les pentes abruptes. Malgré les efforts déployés au fil des années, nous avons réalisé que notre offre de moteurs à quatre temps n'était pas aussi compétitive pour le secteur de la motoneige, dont les styles de motoneige évoluaient à l'ascension vers le trekking. La Mountain Max, sans oublier la Venom Mountain, apporte une technologie de pointe et un rendement du marché de premier plan au segment montagne de Yamaha. Ces deux temps sont différents sur bien des aspects de ce dont nous avons produit par le passé. Cette nouvelle réorientation affiche haut et fort nos efforts pour vous proposer des motoneiges gros blocs de gamme supérieure, adaptés à des marchés sur lesquels nous n'étions pas compétitifs dernièrement. Vous vous demandez sûrement pourquoi Yamaha ne construit pas ses motoneiges de A à Z. La réponse est l'adaptabilité. Yamaha est une large multinationale proposant une vaste gamme de produits. Généralement, cette diversité est considérée comme un avantage, permettant de minimiser les risques pour l'entreprise et ses concessionnaires. Nous avons défendu ce message au fil des années et continuons de démontrer qu'utiliser une Yamaha pour en vendre une autre peut s'avérer très rentable et aider à fidéliser la clientèle. Cependant, cette diversité peut aussi nuire au développement de produits en obligeant Yamaha à choisir ceux aux taux de rendement les plus élevés. Le marché des motoneiges comparé aux autres est relativement restreint. Créer plusieurs types de moteurs pour un si petit marché n'a pas d'intérêt à l'échelle mondiale. Yamaha préfère développer des moteurs dont la technologie peut être utilisée dans différents groupes de produits, car le volume des ventes qui en résulte justifie l'investissement. Le marché des motoneiges se distingue cependant de celui des VTT, VCC, hors-bord, embarcation, ou encore celui des motos hors-route par préférence pour les deux temps. Sans pour autant abandonner les moteurs à quatre temps, et parce que le développement de cette technologie aurait coûté trop cher, nous devions nous armer d'une option de moteur à deux temps pour rester compétitif. Depuis 2014, Yamaha collabore avec Arctic Cat pour développer des motoneiges en demande sur le marché. Le lancement aujourd'hui des deux temps adaptés aux sentiers et à la motoneige vient compléter notre gamme de Sidewinder haute performance, de Snow Scoot niveau débutant et de Transporter utilitaire. Nous sommes désormais en meilleure position de satisfaire tous les clients adeptes de motoneige. Mais 2021 vous réserve plus de surprises. Avec l'addition de la Transporter Lite de 400 cm3, vient en parallèle la Transporter de 800 cm3 pour plus de puissance et de performance dans la neige profonde. Les modèles SE, LE et GT sont de retour avec différents ensembles d'accessoires. Les modèles LE, parfaits pour les coureurs les plus intrépides, offrent la meilleure qualité grâce au perfectionnement de leurs spécifications. Cette année, la majorité des LE revêtent un coloris bleu encre et orange, alors que les SRX et les Mountain Max sont offertes en bleu de course Yamaha. Les modèles LE pourront être commandés uniquement pendant la vente printemps survolté.
Les modèles GT s'adressent aux pilotes sophistiqués qui dévorent les kilomètres et qui apprécient des options perfectionnées telles qu'un pare-brise haut, des sièges chauffants et plus d'espace de rangement. La série GT 2021 est offerte avec un coloris noir intemporel et or royal. Enfin, les modèles SE visent les jeunes pilotes avides de performance et de conduite agressive qui veulent une motoneige à leur image. En 2021, elles tiennent fièrement revêtues d'un coloris argenté glacé et orange vif. Un autre changement apporté à notre gamme est le remplacement du ski tuner par le tout nouveau ski à quilles unique Strike de Yamaha. Le ski Strike est conçu pour mieux négocier les virages avec plus de confiance. Ce nouveau ski sera livré de série sur toutes les motoneiges Sidewinder et Viper adaptées au sentier. Cette modification a eu lieu après avoir consulté les commentaires des clients. Comme toujours, nous sommes à l'écoute du marché et réalisons ce que nos clients recherchent. La gamme de motoneiges Yamaha 2021 est la plus diverse et conviviale que Yamaha a présentée depuis belle lurette. Tout d'abord, nous avons créé la Sidewinder, la motoneige la plus dimensionnelle. Ensuite, la Snow Scoot pour les débutants. Et maintenant, nous allons répondre aux besoins de la majeure partie du marché grâce à notre catégorie de 400 et 800 cm3 et à notre gamme diversifiée de motoneiges utilitaires. En effet, voilà beaucoup d'informations à traiter. N'hésitez donc pas à consulter notre site web pour en savoir plus.